Dolpha te dit bonjour. Et c'est là-dessus que je vous propose qu'on lance l'initiative. Du coup, j'ai dit que j'étais rentré dans la pièce. Donc... La musique est bien trop badass, en vrai, j'aime trop. Vous voulez pas cliquer sur vos tokens pour l'initiative, je précise. Ah oui, il fallait qu'il ait aujourd'hui. Le dragon n'a absolument pas bougé d'un poil. Par contre, quand tu es rentré et que tu as dit cette phrase-là, Icebreaker, tu as tous les regards des gens sur l'hôtel et de l'assistance en fait qui sont tournés. Je te demande un jet de perspicacité, enfin t'autoriser un jet de perspicacité si tu le souhaites. Pour voir un peu l'attitude des gens, parce que bah, tu as un parti pris un peu dans cette histoire. Pas un parti pris. Tu viens de passer un deal, quoi. Oui. Enfin, limite. Oh, bah, tiens, mais du regard sur Otakeos, visiblement. Par contre, j'ai évidemment mal configuré mes fiches, j'arrive. Bah putain, tu joues en dernier, hein. C'est RP avec la surprise. Hein. Avec la surprise, pas vraiment de la surprise. Mais... Ah oui, il est là, lui. Tac. Hop. Je vais y faire d'abord ça. J'ai pas pensé de... là. Je suis désolé, hein, je fais vite. Hop. Et le dernier. Il y a encore un protagoniste dans ce combat. Et le champignon magique, hein. Et non. Ah. Oh là 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 là. J'aime de moins en moins ce qui se passe. Oui. Surtout qu'on a un joueur de main. Il y a combien de temps qu'il s'est passé depuis la salle du trône? Personne. À 5 minutes. D'office, pas 5 minutes. Très bien. Félix, il peut pas faire un truc là pour Shaiwan? D'ailleurs, je sais pas si t'as fait les... en arrière, hein, quand il est... Ah ok, ok. Quand il a entendu le cri, il s'est mis tout de suite au sol, il est clairement terrifié. Il va falloir faire quelque chose si vous voulez qu'il agisse. Pour le moment, je le mets pas dans le turn order, mais là, il est sous l'effet de terreur, via le cri du dragon. Et... Volou. Joli, Tony. Vous allez voir, ça va être formidable. Shaiwan, tu es toujours paralysé. Mais c'est donc je vais ton tour. Te redemander un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Simplement. Allez. Parce que le cri du dragon t'aura. Oui, bah voilà. Tu n'es donc plus paralysé. Ah, formidable. on remercie le gros modificateur parce que vraiment, les dés, c'est terrible. Bah, ouais, ça s'annonce bien pour le combat. Ouais. Mais effectivement, tu es toujours paralysé. J'ai jeté l'initiative, mais en fait, effectivement, eux seront surpris et vont juste se tourner vers vous. Les Quaggots. L'air un peu surpris, en disant Grand Alpha, quoi ? Bladebreaker, qu'est-ce que tu fais ? Et ben... Je disais, c'est pas vraiment de la surprise. En termes de mécanique, c'en est. Mais juste là, vous arrivez comme ça, en mode au milieu de la bagarre. Je prends mon bouclier qui était devant mon dos. Enfin, je l'ai fait quand j'ai eu le truc. Oui, j'ai pris mon bouclier. D'ailleurs, vous aurez remarqué que sur le bouclier, j'ai... Là où il y avait un symbole un peu... Enfin, comme des runes jusqu'à présent, sur le bouclier. Je l'ai, pendant notre voyage, je l'ai un peu poncé, un peu cradé, à coup de terre et tout ça, et j'ai buriné un peu dessus la forme d'un serpent, enfin d'un serpent à trois têtes. Tu as fait devant nous, d'ailleurs, je t'ai probablement proposé mes outils de forgeron, ceux que j'utilise pour graver les runes sur le mien, justement. Bah ouais, j'ai accepté avec grand plaisir.
Et ouais, donc j'ai dessiné des serpents dessus. Et du coup, je prends mon bouclier comme ça. Et I would like to rage. Me mettre à hurler, à faire. Pour me transformer. Ok. Et puis après, j'attaque. Et bah, je te laisse te déplacer et puis faire tes jets d'attaque. Mais je pense qu'on peut décrire un tout petit peu ce qui se passe. Quoi. Là, tous les adversaires qu'on voit, ce sont tous nos adversaires. Ou le mec qui est à côté de moi, est-ce qu'il est. Celui-là, clairement, il a dégainé un pic de guerre. D'accord. Tu veux faire ton jet de perspicacité 7. Ouais. C'est oui, suffisant pour voir certaines choses, notamment, c'est que quand tu as crié Grand Olpha, le salut. Tu as aperçu dans le tas, alors pas distinctement, mais tu as aperçu dans le tas que certains se sont tournés mais pas vers vous. D'accord. Très bien, bon bah si celui qui est à côté de moi... Celui-là il est clairement agressif, ouais. Ok, bah je vais me transformer et je vais l'attaquer. Mais ta transformation ne... fonctionnera pas. Ma transformation ne fonctionnera pas. Tu vas devoir rester sous cette forme là. C'est comme si tu essayais de faire appel à tes pouvoirs que tu connais en fait pour te transformer en, bah, dans la forme un peu animale, bestiale qu'on te connaît. Mais comme si cette bête ne voulait pas sortir et ne voulait pas se matérialiser, ne voulait pas prendre possession du corps comme elle le fait d'habitude. Ok. Dans ce cas, je vais hurler à l'attention de du mec avec qui je suis engagé. Je vais hurler impossible. Et il va me faire un test de sauvegarde de sagesse. Et je lance Toll the Dead. C'est mute. Ah pardon. Non. Non, c'est pardon. Moi. C'est moi. C'est celui-là. On est d'accord. Hein. Ouais. Ouais. Merde, je vais voir sa fiche, putain. Il est où mon dieu regard. Ah, j'avais pas la ref avec Hulk. J'avoue, c'est pas mal. Et sans mes du regard, sans la mes du regard. Un jet de sauvegarde de sagesse, tu m'as dit. Ouais, des D12, ouais. Ok. Il n'y a pas de les dégâts de feu, j'ai oublié de décocher le truc de la fois. Ah, c'est raté, cool. C'est raté, effectivement. Alors, sur Toll the Dead, c'est s'il a pris des dégâts, c'est des D8 et s'il en a. Non, c'est les D12 et s'il en a. Ouais, c'est ça. Ok, donc comme il en a pas pris, il se prend 7 dégâts. Exactement. Nécrotiques. Ça n'a pas l'air de lui plaire, quand même, mon garçon. Hein. Ah, c'est vrai que j'ai pas mis l'appli là, ici, avec le petit cercle de couleur. Et pas heureusement, vu le nombre de tokens. Est-ce que tu fais autre chose? Oui. J'ai dégainé. Donc j'ai dégainé mon épée. J'ai dégainé mon épée et en dégainant l'épée, elle se met à siffler dans les airs. Et ça sera tout pour mon tour. Ok. C'est à cette créature qui s'est fait gentiment spoiler dans le chat. Mais c'est pas très grave de se tourner. Bah vous le voyez pas, mais je le dis pour les spectateurs. Se tourner gentiment. Passer à côté du dragon en mode vraiment le décalme le plus total. Vous apercevez qu'il pointe sa tête, donc lui là. Un nain gris, un duergar, vêtu d'un grand chapeau. Très haut, vous savez, un truc un peu religieux là, vous voyez, une grande toque en fait. Il est tout de noir vêtu, il a une barbe un petit peu plus courte que celle des autres, toute blanche. Et il vous regarde, il a l'air surpris pour le coup. Mais intrigué. Et c'est tout ce qui fera ce tour-ci. Bulg, c'est à toi. Bulg, déjà son bouclier au bras, il va dégainer sa hache, foncer dans la pièce. Et
voyant que Casebreaker est aux prises. Ah, j'ai oublié le dragon dans le tournoi 2. Je vais faire agir en dernier. Prise avec ce doigt regard. Changer de taille. Ah bah tiens. Et le savaté. Et le savaté. Changer de taille. Ouf. Très bien ça. Ça ne touchera pas. N large. Alors ça ne touche pas, c'est-à-dire 25, ça ne touche pas. Si 25 ça touche, j'ai vu que le 2, pardon. Ah, tu sais que tu viens de foutre une trouille monstrueuse. On est en train de se battre contre un artificier, c'est ça que tu es en train de nous dire? Et il y en a 30 en même temps, je suis vraiment désolé, c'est... Je vais mettre dedans, promis, j'arrive. Il prend 13 du coup, effectivement, ça le blesse très sévèrement. Sans le... Alors il est un peu sous le coup, c'est de la surprise, il t'a vu rentrer, Grandolpha te salue, et puis d'un coup il a pris Toll the Dead, puis il a vu un type blond se pointer, devenir super grand, et puis lui mettre un grand coup de charme dans la gueule. Il est pas frais le garçon. Est-ce que tu as autre chose à faire, Bulg? Par contre, il a réussi à esquiver la deuxième attaque. Non, ce sera tout. C'est à le sosie plus jeune de Xardorok de jouer, qui lui aussi va se tourner, comprendre immédiatement qu'il se passe un truc dans cette salle là, et simplement se reculer un petit peu et tendre la main vers vous, mais il ne fera rien de plus. Valek. Ouais. Je précise en RP que le dragon est en train de se diriger vers le sud, donc là techniquement il est même comme ça en fait, hein. Il est en train de marcher d'un Nerpato. Ou s'il découvrait son corps, c'est un peu le cas pour le coup. Il a l'air en forme le... Ah non, il a l'air vraiment pas bien. Okay. Du coup, je pense que je vais peut-être essayer de le terminer. Avec mon bâton. Ouf. Ah oui, ça touche bien là. Ah oui. Ah oui, ça touche. Il y a des gamines. Ouais, ça touche très bien, mais c'est suffisant. Qu'est-ce qui se passe? C'est suffisant, ok. Bah, comme ça, ça laisse un peu le champ libre pour se déplacer. Moi, j'ai pas conscience que Shaiwan s'est réveillé, donc j'ai pas conscience qu'il va sortir de ma poche. Et donc. Attends, j'avais combien de déplacements moi avec Valet qui fait 10 mètres et demi? J'étais là, donc j'ai fait 1m30. Je pense que... Est-ce que tu m'autorises à courir? C'est un escalier là, j'imagine. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas... Oui, ça c'était un escalier. J'ai pas tout à fait décrit toute la pièce. Il y a... Pardon, je fais la parenthèse tout de suite. Ça, j'étais en train de penser à un million de trucs en même temps. Je m'excuse platement du rythme. Il y a plusieurs postes de surveillance qui sont en hauteur, là, partout là où je ping. Sont à peu près 6 mètres au-dessus du niveau de la forge. Vous voyez que le plafond est encore plus haut que ça. C'est hyper grand comme espace. Et sur ces tours de garde se trouvent à chaque fois 3 du Hergard, comme vous pouvez le voir sur la carte, qui eux sont équipés de javelines. Il y a la forge là, qui est au milieu, qui ressemble, comme je le disais, à une espèce de grand haut fourneau duquel s'écoule. La chouette avait pour le coup plutôt bien vu Icebreaker. C'est cool, de la lave qui vient s'épancher dans un espèce de creuset, merci, immense. Je l'ai pas représenté sur la map pour pas trop la surcharger non plus, mais il y a tout le long, il y a des enclumes, qui sont là, et tous les systèmes en fait de forge pour fabriquer clairement des armes et des armures. Ils sont tout le long de cette espèce de rigole de feu, pas de lave. Excuse-moi Valek, du coup on peut reprendre ton... Non, t'inquiète, et ça c'est haut en fait, c'est... Ça c'est environ 2 mètres au-dessus du sol, la plateforme elle est environ 2 mètres au-dessus du sol. Ok, ouais, donc Valek va devoir prendre l'escalier, du coup fin de mon déplacement j'arriverai vers ici. Est-ce que tu m'autorises à, en même temps que de courir, essayer de regarder, voir quelles sont plus ou moins les attitudes des nains, savoir s'il y en a que je peux déjà distinguer comme étant... Perspicacité, oui. Pas amicaux, mais potentiellement alliés. Perspicacité, oui, c'est inside, donc c'est plus haut, hop.
Ok, tu vois effectivement que dans le tas, il y en a plein qui commencent à dégainer leur pic de guerre, mais pas à se tourner vers vous. Par exemple, celui-là. Ok. Et lui ? Celui-là. Celui-là, par contre, il te regarde, l'air très intrigué pour le coup, très curieux, belliqueux, hein, clairement, mais très, très très curieux. Belliqueux ? Oui. Ok. Là, dans Xardorok, ce... par contre, a un regard vraiment, donc qui est derrière, là, qui regarde son dragon passer. Il a un regard, lui, particulièrement courroucé. Très en colère, très énervé après vous. Ouais. S'il a un regard belliqueux, je pense que je vais aller lui frapper dessus. Hein, donc je vais utiliser un... Ah merde, attends, j'ai déjà... Ouais, non, je... Non, je vais utiliser un point de ki, tant pis, je perds une attaque sur ce tour, mais je vais utiliser un point de ki pour me mettre en défense patiente. Ça fait Donc j'utilise mon action bonus pour me mettre en esquive. Les attaquants ont des avantages contre moi et j'ai avantage au jet de sauvegarde de Dex. Ok, ça marche. Et tu me mets en attente. Je peux pas aller plus loin. Ok, ça marche. Donc c'est la fin de ton tour. Ouais. C'est au du regard de jouer, là je vais les jouer de manière plutôt pareil en surprise un peu. Donc lui il va juste venir se décaler par là pour essayer de bloquer un peu le passage vers le dragon, mais bon il voit qu'il était grand. Lui il va par contre claquer une action pour scène large aussi. Parce qu'ils peuvent le faire. Mais au secours. Pour ce head large du regard, aussi. Hein. C'est du regard. Je sais, je savais tellement que c'est... HRP je savais mais. Vous voyez qu'il y a des combats qui sont en train de se passer immédiatement dans la foule. Il y a déjà des Duergar qui sont blessés, voire presque morts déjà, parce qu'il y a effectivement les troupes de Grandolpha qui sont en train de faire le taf. Et notamment en venant des tours. Vous voyez des javelines qui partent, mais pas dans votre direction, en direction de la meute de gobelins, de Duergar qui est là-bas. Je vous propose de gérer ce combat-là de la manière suivante. J'ai décidé une petite zone, j'arrive à la sélectionner, voilà. Je vais mettre sur la carte. Petite zone comme ça, qui représente votre espace de bataille. On va gérer ça, comme dans une campagne que j'ai lue il n'y a pas si longtemps que ça, ou que je suis toujours en train de lire. Si vous sortez de cette zone-là, ou que vous êtes sorti de cette zone-là, il va vous arriver des bricoles. C'est-à-dire vous prendre des attaques un peu gratos de la part de toute la meute de bataille qu'il y a autour. Et il peut sortir des trucs de la bataille qui va se jouer autour de vous. Parce que c'est clairement ce qui est en train de se passer. Là, ce tour des Duergar-là, à part le head large de celui-là, il y en a quelques-uns qui vont se head large aussi dans l'eau. Ça va être une énorme mêlée entre les protagonistes de Grandolpha, Nuzgard, et les protagonistes de... les alliés, pardon, de Xardorok, Sunblade, puis au soleil. Ok, donc je vais pas leur faire jouer un tour d'initiative chacun token par token parce que ça va être beaucoup trop long et beaucoup trop chiant. On va gérer ça comme une bataille qui est en train de se dérouler en fond et on va la faire évoluer petit à petit. Parfait. Ce qui est à l'intérieur de la zone par contre, ce sont des protagonistes que vous devrez affronter. Je suis en train petit à petit de mettre des auras autour de vos alliés juste pour représenter la proportion. C'est à Xardorok, je le ferai pendant vos tours. C'est Xardorok de jouer qui va suivre les règles qu'on faisait depuis le début, un peu un tour de surprise avec peut-être un mouvement. Il va juste simplement se déplacer vers toi et te tendre le vaisseau. C'est quoi qu'il a comme arme d'ailleurs ? C'est un pic de guerre, je crois. C'est un gantelet, pardon. C'est un gantelet avec des pics dessus. Vers toi, mon cher Valek. Il n'attaquera pas ce tour-ci. Le dragon continue sa route pesamment. Ne semble pas du tout vouloir vous attaquer pour le coup. Il est en train de redécouvrir un petit peu les facultés de son corps et commence à se barrer en direction de là. De là où vous êtes, vous comprenez. Et bien qu'en fait, c'est la base de la cheminée. Chaiwan, c'est à toi de jouer. Tu es toujours dans la poche de Valek. Et je ne suis plus paralysé. Oh, d'accord, je suis plus paralysé. Non, tu n'es plus paralysé. Ok. Très bien. Ce qui va se passer, c'est que Valek,
Tandis que tu es en posture de défense et concentré sur les deux adversaires face à toi, un truc auquel tu t'attends pas forcément, tout à coup tu vas sentir un petit soubresaut dans ta poche. Et tu vas avoir un rat l'air assez surpris qui va juste passer la tête hors de ta poche, ouvrir de très très grands yeux. Parce que HRP n'était pas du tout conscient jusqu'à cet instant précis. Oui. On n'a jamais dit aussi fort that escalated very quickly. Oui, c'est vrai que pour Shaywan, là, c'est particulièrement approprié. Ouais. Oh, il est bizarre ce trône. What? 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 Ça a été un peu ça. Je vérifie juste un détail. Yes. Du coup, je vais partir du principe que Shaiwan va essayer de réfléchir extrêmement vite, d'identifier les urgences, et sachant qu'il a entendu la conversation avec la vieille, l'urgence ça va être le dragon, parce que Shaiwan il a des potes dans l'édicité, voire même de la famille dans l'édicité, pour être plus précis. Donc du coup, il va y avoir une sorte de craquement, de déchirure. Ta poche va exploser tandis que Shaiwan reprend sa forme humaine. Et donc va tomber, enfin va être un peu à côté de toi sur l'escalier, à moitié tombé machin. Voire même de ce côté-là plutôt, ça m'arrange. Et voyant le dragon, il va se retourner. Et il va crier à Bulg, hop le dragon. Et il va jeter Enlarge. Ah oui, oui. Le Enlarge. Allez, regarde le bulg géant. Paf. Bim. Est-ce que j'écrase le regard? Alors là, il y a le Quagon qui est tout seul là-bas qui se dit « Oh shit !» Il se dit « Oh shit, il va juste faire de la pâtée avec moi. » Ok, donc tu es de taille voilà. Très grande maintenant. Et c'est la fin de mon tour. C'était déjà pas mal. Et les Quagon, vas-y. À part le D4 en plus, ça me donne quoi Alors, oui, excuse-moi. Enlarge, donc, bon, ta taille double. Ton poids est multiplié par 8. donc tu augmentes d'une taille, blablabla. Tu as l'avantage sur les jets de force et les jets de sauvegarde de force. Ok. Je répète, tu as l'avantage sur les jets de compétences qui utilisent la force. Et tes armes grandissent et ont un D4 de dégâts supplémentaires. Ok. C'est déjà pas mal en soi, hein. Mets des grosses claques. C'est déjà pas mal. Là, avec ton. Oui, et puis s'il veut lutter avec le dragon pour l'entraver ou quoi, il aura avantage. Je fais à peu près la taille du dragon. Putain, le combat de cage, c'est con. On aime. Excellent. On aime. Excellent. On aime ce qui se passe. C'est au Quagon de jouer, il y en a deux dans votre espace. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié un tour d'initiative. J'arrive. Il est là. Hop. C'est pas beau comme image. Ça. C'est l'un des prêtres en fait. Il était là. Les autres s'étant retirés dans la mêlée là-bas. Je vous envoie l'illu si je l'ai. Non, je l'ai pas. Bon, bah tant pis pour vous. Et combien le PPR? 23. Ouf. Oh. Il est censé jouer. Bien, ça. Je vais le faire jouer. Juste après les Quagot et je le remettrai en place dans l'initiative après si cela vous convient. C'est l'un des prêtres qui est là-bas. Je vous chercherai si j'ai lu après. Les Quagot donc vont jouer. Et venir se déplacer comme ça. Lui je crois qu'il va être trop loin. Hein. Il ne peut pas monter. Exactement, il est trop loin, donc lui il n'attaquera pas. Il va devoir prendre l'action foncée pour se déplacer vers toi, Valek. Par contre, le Quagot qui a ton contact, Bladebreaker, n'est pas fou et va pas s'attaquer à Bulg. Il est pas débile. Voilà, il va essayer de te bouffer, du coup. De te griffer, pardon, mais plus précisément. Est-ce que ça touche, Quagot? Non, ça rate. Ça ratera une deuxième fois parce qu'il a deux attaques. C'est tout pour lui, je vais faire jouer mon petit Mindmaster. Il y a un nom beaucoup trop classe d'ailleurs, je trouve.
Mm-hmm. Ah, c'est... Il va se déplacer déjà pour y voir un peu plus clair. Il comprend pas trop ce qui se passe, lui. Il voit que c'est la mêlée à côté, mais que ça a l'air d'être pour le moment à peu près sous contrôle. Et va se tourner vers toi, Valek. Tu vas entendre comme s'il essaie de prendre un peu le contrôle de tes pensées à distance. C'est un pouvoir pseudique. Te demander un jet de sauvegarde d'intelligence. Ouais. J'ai toujours un avantage puisque c'est toujours un effet magique. Oui, tout à fait. Ouf. Ok. Tu résistes à cette emprise. Par contre, tu as eu pendant l'espace d'un instant l'aperçu de ce qu'il y a dans la tête de ce Mind Master, de ce Duergar-là, le prêtre en fait de Duera. C'est pas Jojo. Ce sont quand même beaucoup des scènes de torture récentes d'ailleurs. Ce sont beaucoup des scènes de colère, de haine, et tu as reçu tout un flot de ces émotions-là. C'est à Bladebreaker de jouer. Je vais attaquer celui qui m'attaque là. Ouais. Il fait nuit d'un coup, parce qu'avec l'ombre que fait Bulg. il fait nuit, mais lorsque je prends ma rapière, elle s'illumine d'une jolie flamme verte. Dans le quagot, ça touche. Ok, ça touche, donc il se prend 9 plus 1 dégât de feu. Et il y a une deuxième créature, Green Flame Blade. Une deuxième créature se prend. C'est 1m50. C'est 1m50, ouais. Ça doit être au contact 1m50. De la cible. Ouais, 5 feet, ok, j'avais pas vu. Donc c'est. Okay. Il est dans quel état le truc? Est-ce que le coup il a bien amoché ou pas? Ça l'a amoché sans le blesser très sérieusement. Ok. Eh bien, au moment où. Pardon, du coup, je découvre un peu le build. Ok, au moment où se prend l'attaque, il va se prendre un coup supplémentaire. Il va se prendre un D8 supplémentaire. Ok. Et il va me faire un jet de sauvegarde de force DD15. De force DD15, d'accord. Ça réussit. C'est réussi. Pour le coup. Et ce sera tout pour moi, je pense. Ce sera tout pour moi. Ok. J'ai votre vue. Ouais. C'est à ce protagoniste un petit peu mystérieux d'être là. Donc visiblement l'un des prêtres aussi. Qui a probablement aidé à incanter ce rituel là. Il n'a plus de regard pour le dragon, donc il est parti et qu'il est. Il fait partie de ce monde-là. Il a. visiblement autre chose à penser. Il te regarde toujours, Valek et Shaywad. Alors lui, c'est comme s'il n'y avait pas trop de bélé autour de lui. Vous voyez, il est un peu. Ailleurs, un peu comme s'il réfléchissait à autre chose en même temps, un peu distrait. Il vous regarde l'air curieux sur la tête. Il regarde Xardorok, puis il vous regarde vous. Je fais un pas vers toi. Et par contre, je viens de voir que j'ai pas sa fiche d'ouverte, donc il faut que je la retrouve tout de suite. Vers toi, mon cher Valek. Là. Je suis désolé, j'ai l'impression que c'est le chaos là. Il est où? Ah, il est là.
Hein. Ok, il essaye de attaquer une fois. J'ai pas le désavantage parce que je suis en... Ah oui, j'ai bien pensé. En esquive. Et surprenamment, quand il t'attaque, tu vois qu'il t'attaque pas avec une arme, mais avec sa main dès qu'elle sort des petites griffes. Première fois, puis d'un air curieux, il en remet un coup. Il est très... distant par rapport à ce combat-là, comme s'il voyait peut-être constant le garçon. Hein. Il ne touchera pas. Effectivement, j'avais pas vu qu'il y avait le nom. Spoil. C'est à Bulg de jouer le tour qu'on attend tous depuis le début de ce combat. Ah ben oui. Voilà que tu peux faire un jet de perspicacité. Bulg. Probablement se prendre la blinde d'attaque d'opportunité puisque... Oui, oui, évidemment, là, la lutte contre le... il va foncer sur le dragon en faisant un petit saut sur le groupe de personnes qui est au milieu. Voilà, rien à tirer. Voilà, ça va pas te compter de mouvement d'enjamber la plateforme. Une large urbulg, c'est quand même pas du tout... Non, c'est... Oui, c'est vrai. Effectivement, il effectivement une dose, oui. Tu vas prendre l'attaque d'oppo du coup à Got, parce qu'il va pas se priver pour t'en mettre une quand même. Hein. Une attaque d'oppo du Duergar qui est une large, donc bon, ça rate complètement. D'ailleurs, tous les Duergar se battent au pic de guerre, parce que c'est beaucoup trop stylé comme arme et qu'on le voit pas assez. Et ça rate, évidemment. Ce fameux prêtre va aussi tenter de te mettre un coup. Ça touche. Ça touche. C'est un 8 de dégâts perforants. Qu'est-ce que tu fais avec ce dragon de Cardaline qui est là, qui a pas l'air de te calculer du tout, hein. On rappelle que il se dirige vers la cheminée. Mon bras qui est toujours dans mon bouclier va lâcher la lanière. Ouais. Et ma main que je viens de libérer, je vais choper sa queue. Ok, donc ça va être un test de lutte. Donc on est d'accord que la tachyclopédie, c'est un test d'opposition d'athlétisme, c'est ça? C'est athlétisme pour celui qui essaye d'empoigner, et c'est athlétisme ou acrobatie pour celui qui essaye de résister. Ok. Athlétisme ou... C'est pas très haut ça. Ouais. Il va faire quoi lui? Ouais, il va faire... Il va évidemment faire de l'athlétisme. Hein. Ça fait combien? 18. Ah. Lui, il a pas d'avantage. Il va faire de l'athlétisme pour éviter d'esquiver ta lutte. Ouf. Aïe aïe aïe. Effectivement, il réussit à s'évader de ta... De ta prise. Est-ce que tu as une action bonus à faire par là-dessus? T'as une deuxième attaque, Paul? J'ai une deuxième attaque, ouais. Ok. Enfin, en termes de règles, tu peux aussi l'utiliser pour grapple si tu veux. Je crois que le grapple remplace une attaque. Oui, non, pas l'action. C'est si tu peux attaquer, tu grapples à la place, ouais. Ah non, tu peux re-grapple du coup. Ouais, mais je vais surtout utiliser mon sursaut pour recommencer. Non, mais tu peux, sans utiliser le sursaut, tu peux réessayer. Réessayer le grapple, lui. C'est comme si c'était ta deuxième attaque en fait. Ouais, t'as une double attaque, donc ça peut être un double grapple ou un grapple et un foutre à terre, enfin tu vois. Ouais, oui, j'avais pas pensé, oui. Ça remplace une attaque et non pas l'action attaquée. Et dans ton action attaquée, t'as une double attaque, enfin c'est un peu technique. Oui. Aïe aïe aïe. C'est pas très haut, quand même. Effectivement, c'est pas très haut. Mais sur un malentendu, ça reste un jeu de dés, on n'oublie pas. Oh, en cas d'égalité, qu'est-ce qui se passe? Tachyclopédie, j'ai un doute. Je crois que ça dépend du MJ, ça. Je sais pas si c'est. Ça dépend du MJ. Lutte. On va surtout demander à être DD. Hein. Ouais, ouais. Je pense me souvenir que dans ce cas-là, c'est celui qui essaye d'échapper et qui gagne, mais. Je suis pas sûr.
Je vois rien d'écrit moi. La lutte. Alors. Il n'y a pas écrit l'égalité. Dans ce cas, je pensais à toi de voir si tu considères que c'est comme de la CA ou comme un gérant de position. Moi j'ai la réponse si tu vas-y, veux. Vas-y. Si c'est égalité, ça veut dire que la situation ne change pas. D'accord. Donc si jamais il était grapple, il ne s'échappe pas. S'il n'était pas grapple, il ne le devient pas. C'est statu quo. C'est statu quo. Moi, ok. Ça me va. Je vais le gérer à mon tour. Donc t'as réussi à lui choper la queue sans forcément trop l'embêter, parce que ça reste quand même une très grosse créature qui est faite de cardaline. Hein. Tu le vois qu'il tourne la tête vers toi. Et on verra ce qu'il fait à son tour. Donc je l'ai attrapé là ou... Non, il est pas grapple, mais tu l'as distrait de sa mission, qui était de s'en aller. D'accord. Je vais quand même utiliser mon sursaut et dans le doute essayer de le choper. Hein. Allez, 4 okay. Grapple. Putain. Blablabla. Ah, 21. Il y a un moment où ça va passer. Inspecteur. Oh, le combat de Keiju. Il est effectivement grapple. Il est effectivement grapple. Tu vois qu'il est encore tout pâteau parce qu'il vient d'arriver dans ce monde. Hein. On rappelle qu'il est tout juste né. Et du coup, je vais profiter maintenant que je une prise bien établie, je vais l'attirer vers moi et lui balancer un gros coup de hache dans les ailes. Là par contre t'as pas l'avantage. Non. Ah oui merde. Mais par contre pourquoi 15... tu fais une deuxième attaque si tu fais la... Ah oui si tu fais la fougue tu peux prendre... Non tu peux pas prendre d'attaque supplémentaire par contre si tu fais la fougue. Si hein. Si. Pour la fougue si. Tu peux faire 4 attaques avec la fougue. Avec la fougue, oui, c'est vrai. Oui, pardon. Attends, okay. Attaque supplémentaire, je crois que c'est à chaque fois que tu prends l'action attaquée, tu peux attaquer une fois de plus. Ouais, c'est ça. Il y a quelques petites exceptions, mais. Okay. Je crois que même avec Hatt, ça marche. Non, avec Hatt, justement, c'est précisé dans le sort que c'est une seule attaque. Ah oui, ok. Tu prends l'action attaquée avec Hatt, c'est une seule attaque. T'as pas l'avantage, donc on prend le résultat de gauche, comme par convention, hein, c'est ce qu'on fait depuis toujours. Ça ne touchera pas à 15. J'en précise, hein, quand il est grapple, c'est juste que sa vitesse est égale à 0. Oui. Ouais. Il ne te a pas l'avantage sur lui. S'il était si paralysé, s'il était au sol, s'il était restrained, là t'aurais l'avantage. Mais là il est juste grapple. Ouais. Et si jamais il veut se barrer, il doit utiliser son action pour sortir du grapple. Retenter le jet de grapple, ouais. Ok. Ça marche. C'est tout pour toi, Bulg ? C'est tout pour moi. Il est grapple. Durt Sunblade qui lui voit que le combat a l'air d'être quand même plutôt géré parce qu'ils ont un dragon, hein, on l'oublie pas. Lui va se jeter dans la mêlée. Dans la mêlée générale qui est en train de se dérouler à côté. Ok. Valek, c'est à toi de jouer. Je vais le sortir du turn order, ce sera plus simple. Et si vous voulez tenter une action contre lui, ce sera à vous de me le dire. Vous arriverez à le retrouver parce qu'il est habillé différemment des autres. De qui tu parles, pardon ? J'ai pas suivi. Lui. En fait, vous aurez compris parce qu'elle l'a dit, elle a ses filles. Il a des fils en fait, Xardor. Okay. C'est l'un de ses fils. D'accord, ok. C'est pour ça qu'il lui ressemble étrangement en fait. Valek, qu'est-ce que tu fais ? Ouais, je réfléchissais. Bien sûr, j'ai une perspicacité de tout à l'heure. Tu vois que ce prêtre-là. Il a pas l'air. Enfin. Il est étrange parce que déjà il attaque avec des griffes qui sont assez chelous et pas une arme. Il a pas lancé de sort comme l'autre prêtre qui était à côté. Il t'a attaqué sans vraiment y croire. Savoir si quelles sont ses réelles intentions, c'est compliqué, mais il a pas l'air d'être très concerné par ça. Ok, ça va. De toute façon, je pense que je vais me concentrer sur le fléau soleil. Parce qu'ils sont quand même trois autour de moi. Donc, et je me dis surtout, si je me casse, c'est Shaiwan qui est dans la ligne de mire. Shaiwan qui vient de craquer ma cape. Tu me dois une cape, Shaiwan ? Lui craquait ta poche. J'ai pas dit plus. Et donc, ouais, je vais plutôt attaquer fléau soleil.
en action. Okay. Donc on va commencer par une attaque au bâton. Ça ne touchera pas. Il ne touchera pas. Non. Une deuxième attaque au bâton. Attends. Il touchera peut-être. Il touche. Oui. Allez. Je vais du coup utiliser un point de ki et te demander un jet de sauvegarde de constitution. Mais oui. Contre quel effet, s'il te plaît? Contre l'étourdissement. L'étourdissement. Ok, ouais. Pas de problème. Jet de sauvegarde de constitution. Le DD est de 14. Oui, 14. Aïe, 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 aïe. Il résiste, mais j'ai quand même utilisé mon point de ki. Je vais quand même... confirmer les dégâts. Oui, 7, c'est pris. Il ne fait pas grand chose. Et je pense que je vais attendre un petit peu avant de continuer. Je vais traquer un autre point de ki pour me remettre en esquive parce qu'ils sont quand même okay. Beaucoup autour de moi. Ok, ça marche. C'est tout ? Ouais. Ouais, c'est... je vais pas me déplacer. C'est au Duergar de jouer. Et je vais bizarrement commencer la description par. Toi, Icebreaker, tu vois des javelines qui proviennent de la tour d'à côté. Mais pas sur toi, sur le Quaggot. Ok. Il est à ma fiche. Je vais faire quand même les jets. Ils sont en normal size. Contre le Quaggot. Il y en a 3 qui viennent. Ah, puis les 3 touches en plus, tu crois ça? C'est bien ça. C'est beau quand même. Joue mieux que nous. Ah, ça lui met 14 dégâts quand même. Hein. Là, il aime pas trop. Hein. Les 3 javelins dans le dos, ça lui plaît pas. Allez. Par contre, faut que je vérifie la range. Pas ça ou pas? Parce que l'autre tour, ils sont avec vous aussi. Non, ça passe pas, c'est trop loin. Ils vont tirer, tous les autres vont se battre en fait dans la mêlée. Vous voyez que là ça se tabasse. Il y a une espèce de créature un peu étrange qui a débarqué du nord là-bas. Une espèce de Duergar qui est enfermé dans une espèce d'exosquelette métallique assez étrange. Il y a une grosse pince et un gros marteau à la place des mains. Je vais vous envoyer l'image. Visiblement une création des plus sordides de la part de nos amis les Duergas qui commencent à se jeter dans la mêlée. Vous commencez à comprendre qui sont vos alliés et qui ne le sont pas. De l'autre côté, au niveau de la grosse créature champignonesque, vous voyez qu'il y a des Duergas, notamment ceux de la tour ici, qui essayent de péter les petits Quaggots qui sont devant. Ils sont d'ailleurs eux aussi avec une espèce de gueule de champignon, étrangement. Ils essayent clairement de faire en sorte que la créature puisse se libérer. Il reste quand même un Duergar qui va pouvoir lui agir et aller au plus près en fait. Je vais le tirer au dé sur qui il attaque. Bon, en RP ça va être Valek parce que t'as mis une claque à Xardorok en fait. Mm-hmm. Donc en RP ça va être du Valek qui va essayer de t'attaquer avec son pic de guerre avec un désavantage du coup. Est-ce que tu es en défense patiente? Oui. Tu ne toucheras pas. Il n'y a pas d'autre du regard, c'est à Xardorok himself de jouer. Xardorok, qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est vrai qu'il a ça. Bon bah quitte à y être, il va... Merde, j'ai fait ma fiche. Il va craquer son action, pour lui aussi c'est de large. Parce que pas le temps. Cool. C'est au dragon de jouer. Il est pas grapple. Si il est grapple. Si il est grapple ce coup-ci. Il est passé sur la troisième tentative. Excuse-moi, il est passé sur la troisième tentative. Du coup, il va cramer son action pour tenter de s'échapper parce que lui suit un but très précis pour le coup. Un but que vous aurez compris. Donc c'est un jet de... On refait un jet en opo, c'est ça hein. C'est re... Ouais, en fait c'est re-athlétisme de Bulk contre athlétisme ou acrobatie du dragon. Ah mais ah. Non oh, putain. Ah vraiment, terrible. Il se libère. Ah.
et avance. Tu as le droit à une attaque d'opportunité. Il te repousse en fait un petit peu, tu sais, il essaie de, il fait jouer le poids de sa queue, son poids à lui pour essayer de te bousculer et avancer en direction de la cheminée. Tu as le droit à une attaque d'opportunité, bien évidemment. Blah, le saut de dé, quoi, et ça ne touchera pas. Mais pourquoi je vois un 15 sur le dé? Je vois un 15 aussi. Je vois un 1 sur le résultat, pourquoi il y a... Ah, peut-être que l'un des dés de dégâts a bousculé le dé 20. Ah oui, c'est possible ça, oui, effectivement. S'il lance les dégâts même quand c'est pas censé toucher. Ah oui, mais là oui, c'est bien un 1 sur le macro. Ça ne touchera pas, malheureusement. Il est positionné sous la cheminée. C'est la fin de son tour. Le Mindmaster, il va essayer de faire un rapide calcul dans sa tête. Il va retenter toi, Valet, qui attaque son seigneur et maître. Je vais te redemander un jet de sauvegarde d'intelligence. Ça passe. C'était encore son action pour essayer de te contrôler. Tu as de nouveau une vision de l'enfer de sa part à lui, mais tu résistes à sa volonté de te contrôler. C'est clairement ce qu'il cherche à faire. Stash Aiwan, le dragon est sur le point de s'en aller. Ça se passe pas du tout comme chez Aiwan, il aime. Mètres, 12 mètres, c'est rien du tout, c'est pas intéressant. Shaiwan, il peut rien faire de plus là-dessus. Ah, quel enfer! Ok, Shaiwan, il a vu le dragon échapper à Bulg. Encore une fois, pour lui, le dragon, c'est la prio. Donc il va commencer par aller vers le dragon. Je sais pas s'il a une attaque d'oppo ou pas, vu que le mec est au-dessus, mais il va pas y faire attention. Non. Pour le coup, donc, vu qu'il est en hauteur et qu'il est concentré sur Valek, il décidera de ne pas utiliser sa réaction. Il va aller à côté de Bulg. Je pense qu'il lui arrive au niveau du genou. Et du coup, il est sorti de la poche de Valek en tant que rat. Le rapport de taille est resté le même par rapport à Bulg, bizarrement. Il pourrait rentrer dans la poche de Bulg, tu vois. Il y a un petit... C'est ça. J'ai un choix à faire. Je vérifie juste ça. Ta-ta-ta-ta-ta. Ça, je ne peux pas le voir, donc ça ne va pas marcher. Écoute, je vais tenter un truc. Juste une question. Le conduit dont tu parles, par lequel le dragon essaye de passer. Oui. C'est un conduit vertical ? C'est un conduit vertical. Ok. Ok. Shaiwan va sortir son petit cristal. Oui. C'est une action. Il va commencer par prendre sa forme étoilée, que vous connaissez bien, en action bonus. Donc il va se mettre à briller avec son cristal dans la main. Il va commencer par faire une attaque avec cette forme-là sur le dragon. Hop. Et ça fait 27 pour toucher. Ah ouais. Ouais, si ça... Donc ça fait 9 dégâts radiants. Ah ouais. Il balance son truc droit dans la tête du dragon en mode « Toi, on n'en a pas fini avec toi. » Et il va lever son petit cristal et il va dire « Si les étoiles suffisent pas, on va passer à la vitesse supérieure. Je lance rayon de lune dans le conduit. » Ah, mais oui. Tellement bien. Donc nice. La concentration s'interrompt sur Bulg. Tu reviens à ta taille grande. Et du coup, un rayon à l'argenté, c'est un cylindre qui fait 1m50 de rayon. C'est une case. Il fait seulement 12 mètres de haut, techniquement. Mais je l'imagine comme étant la lune qui descend à travers tout le conduit, même si ça n'aura d'effet que sur 12 mètres de haut. Et donc c'est la lumière de la lune qui tombe là. Si une créature y pénètre ou y débute son tour,
c'est un jet de sauvegarde de constitution et c'est 2d10 dégâts radiants en cas d'échec. Par ailleurs, si c'est une créature métamorphe, j'imagine que c'est pas le cas mais je le dis au cas où, une créature métamorphe telle qu'un loup-garou fait ce jet de sauvegarde avec des avantages et reprend sa forme véritable s'il échoue. Ok. Et c'est la fin de mon tour. Ce qui est déjà pas mal. C'est au Quaggoth de jouer. Mon cher Icebreaker, tu en as un à ton contact. Il va tenter de t'attaquer une première fois. 21, ça touche, je pense, non ? Oui, 21, ça touche. Ce sera 7 dégâts. 16, ça touche pas, je crois, hein, moi. Non. Il me semblait. Valek, tu en as un contre toi, mais avec des avantages, du coup. Ouais. Tape deux fois. Oh ! Oh ! Bah ça touche celui-là. Oui, mais c'est pas un critique. De l'autre côté, c'était un 20. Oui. Ça fera 6 dégâts. Oui. Perforant, vous voyez qu'il y a des Quaggoth qui sont qui ont déjà canné de l'autre côté. Ça commence à se dépeupler un petit peu. Blade Breaker, à toi de jouer. Il est dans quel état le mec en face? Il commence à être bien blessé là. Ok. Je vais l'attaquer à la rapière encore une fois. Ok. Et ce faisant, si je touche, bien évidemment, il va sentir le tonnerre en lui. Et 13. 13, ça touche. 13, ça touche. Très ça bien. Et eh bien, il se prend donc les 12 de dégâts de la rapière, plus 2 dégâts perfo. Et tu peux me décrire ton action. Les. Je le plante sans vergogne, lui plantant la rapière sous le menton, là, comme ça. D'un mouvement sec et ce faisant je laisse tomber mon bouclier au sol et je me précipite ici. Okay. À une vitesse étonnamment rapide pour un type de cette corpulence là et pendant que je suis en train de me diriger, donc pas une fois que je suis au contact, ouais. Mais non, si, encore mieux. Une fois que j'arrive au contact du type, de ma main libre, je prends une des hachettes. Je rappelle qu'Icebreaker, il est harnaché comme jamais. Il a tout, un marteau de guerre, des dagues, il y a tout. Hein. Putain, il prend une hachette, ouais. Qui fait volter dans sa main et qui lance face à Jean-Jacques. Et juste cela. Jean-Jacques, c'est qui Jean-Jacques? Lui, qui est au contact avec Valek. Ah oui, ok. Celui qui est un peu bizarre, là. Ouais, il a pas attaqué lui encore. Non, pas ce tour-ci. Il a essayé d'attaquer Valek sans grande conviction, mais il a essayé d'attaquer. Ouais. Ok, donc je fais ça et c'est juste pour le fluff du truc. Oh, le critique donc. Oh oui. Oh oui. Le critique donc. Sur lui là. Ouais, sur lui. C'est juste dommage que du coup je ne pouvais pas lancer un autre sort. Et je pense que c'est pour moi. Il fait 13 dégâts dans sa mouille quand même. Ouais, 13 dégâts dans sa mouille. Je rappelle que je suis arrivé au contact, hein, que je lui ai jeté ça au contact. Ouais, ça marche. Ouais. Et c'est tout pour moi. Pas de soucis. C'est à lui de jouer justement, qui va se retourner vers toi, mais l'air pas du tout affolé, tu vois. Se retourner vers toi, tu vas juste l'entendre redire d'une voix très 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 grave, très gutturale. C'est un revirement intéressant. Une voix qui semble pas du tout correspondre à un duel, gars. Pour le coup, il parle en commun, je le précise. Et tu le vois d'un coup sincèrement amusé de cette situation. Et va essayer de t'attaquer. Tout simplement. Pareil, okay. Sans... Comme si... Enfin,
Ça m'énerve parce que j'ai l'idée dans la tête, mais j'arrive pas à mettre les mots dessus. C'est insupportable, ouais. Vous connaissez ça aussi, j'imagine. C'est hyper chiant. Attends, j'ai perdu sa fiche là. Il va essayer de t'attaquer. Une première fois. Une deuxième, le 21 ça touche. Alors, ouais, stop, 21 ça touche. Pardon. Oui, bien sûr, au moment où son attaque va pour me toucher, de ma main libre maintenant, apparaît une espèce de petite sphère un peu violacée, comme ça, qui vient m'englober l'espace d'un petit instant. Ok. Et je shield pour bloquer évidemment. L'attaque. Évidemment. Et c'est pas du. Enfin, c'est totalement méta de faire ça, mais c'est juste histoire de soulager Tony et Taki de quel est le build pour donner encore un peu plus d'infos. Je pense que je l'ai du coup. J'ai le dernier truc qui me manquait ou alors je me trompe complètement. Je pense que tu vas avoir bon. En tout cas, c'est pas ce que tu m'avais dit tout à l'heure, mais je pense que tu vas avoir bon. Et par contre. Non, c'est tout, pardon, excuse-moi. Ça ne te touche pas du coup. C'est ça. Ça fonctionne. Et tu l'entends dire de plus en plus intéressant. Bulg, c'est à toi de jouer. Tu es redevenu petit, alors peut-être que t'as la gerbe à force. T'as de grand, moins grand, très grand, pas trop grand. Je vais bien reprendre mon bouclier en main, du coup, et je vais encore une fois foncer sur le dragon. Tenter de l'empoigner. Ouais. Y a pas trop le choix. Attends, je vérifie parce que gigantisme, je sais que ça me donne l'avantage, mais est-ce que ça me donne l'avantage à la force ou au jet de force? Au jet de force aussi. À mon avis, c'est quand même large en fait. Ouais, je pense que c'est quand même large. Pareil. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc j'ai bien fait. Je pensais que je te faisais perdre cet avantage, mais en fait, même pas. Non, même pas. Hein. Ok, on refait la même. Hein. Il est où mon Il y a une taille de différence, donc tu peux le faire. Oh oui! Yes! Let's go! Oh, 25, allez! On aime! Lui, il a des gros bonus aussi, mais. Il est grapple! Allez! Il est grapple! Allez. Effectivement, donc au moment où il commençait à baisser les jambes pour essayer de s'envoler, alors tu vois, pareil que les ailes, elles sont, tu sais, c'est timide, tu vois, il découvre encore tout ça. Il commence à apprendre l'impulsion, toi tu le rattrapes par la queue, blam, tu le colles au sol. Et je vais en profiter pour enchaîner et encore une fois viser ses ailes. Non mais tu peux. Il peut quand même attaquer une deuxième fois? Oui. Ah oui, ça remplace une attaque, c'est vrai. Pardon. Avec le rayon de lune, hein, tout ça baigné dans la lumière. Et c'est un critique. Oh joli. 20 dégâts dedans, ça mouille quand même, hein. 20 dégâts dedans, ça mouille. C'est pas mal. Effectivement, tu vois que là, il commence à sérieusement tourner la tête vers toi et tu commences à devenir une vraie menace à ses yeux. Voilà. Est-ce que c'est je tout précise pour toi qu'il y a... Vas-y. Je précise encore pour un point de règle, quand tu grapples une créature, tu peux le déplacer avec toi. Ça compte comme terrain difficile. Vrai. Oui, c'est vrai. Ah. Donc ça veut dire que je peux avancer à proximité du rayon de lune, par exemple? Bah, il est là, le rayon ça de lune. Ça pourrait être une chose que tu pourrais avoir envie de faire. Il est pas déjà là, le rayon de lune? Il est là, le rayon de lune. Pour moi, il est dans le conduit. Pour moi, le dragon n'était pas encore dans le conduit. Regarde, je vais te montrer, t'expliquer. Si tu veux revenir sur ton action, il n'y a pas de problème. Le conduit... Putain, ça rame tellement. Le conduit, il est là. Ah d'accord, moi je me le représentais ici en fait. Non. D'accord. Non, là c'est autre chose que vous n'avez pas vu, je n'ai pas décrit volontairement parce que vous êtes trop loin de toute façon pour... Oui d'ailleurs, je vais me dire qu'on voit... Donc du coup, moi, le rayon de lune, je l'aurais lancé ici, sur une case en plein milieu du dragon. Ouais, ok, ça me va. Je vais faire un carré. Oui. Genre comme ça là. Normalement c'est une seule case. C'est une seule case. Je revérifie, mais je crois que non, c'est 1m50. Peut-être un cylindre de 1m50. 1m50 de rayon, autant pour moi. C'est 4 cases. J'arrive plus à attraper mon rayon de lune. Je suis obligé de pousser le dragon. Putain, mais ça rame tellement. Oh là là.
n'arrive pas à l'attraper. Voilà. Tac. Et je remets le dragon là où il est. Hop, comme ça, ça te va? Yes, nickel. Eh bah parfait. Faisons ainsi. Donc Bull, tu veux te déplacer ou pas? Tu veux traîner le dragon? Bah étant donné qu'il est en dessous, je vais l'y laisser. Eh bien, c'est qu'il peut pas partir tant qu'il sait pas des grapples. Ok, très je vais bien. Terminer mon tour du coup. Valek, c'est à toi de jouer, tu es aux prises avec pas mal de combattants. Ouais. Ouais, ouais, dont deux qui sont très grands. Moi je rappelle, je suis Taipei, hein, donc ouais, mais je suis le petit bazar. Là, parce que sinon c'est chiant. Ah oui, mais du coup, je suis le tout petit bazar dans l'escalier avec deux mastodontes autour, plus un truc bizarre, plus un chien des enfers là. C'est pas un chien des enfers, mais bref. Mais qui va continuer à faire virevolter son bateau. Et qui va. Bah, je vais taper. Je vais continuer à taper sur Xardoroth. Hein. Bah oui, hein. À la base, il a l'air d'être très en colère, très énervé. Ouais, et puis ça reste le chef. Enfin. Ouais. Je me dis que peut-être il contrôle le dragon et si j'arrive à le défoncer, le dragon s'arrêtera, peut-être. De toute façon, je peux pas me bouger de là, donc... Première attaque. Ça touche. Et... Ouais. Il va refaire un jet de sauvegarde de constitution. Ok. Il va prendre 9 points de dégâts contondants quand même. Ouais. Il va les encaisser sagement et son jet de constitution. Oh oui, 14. Ah non, c'est 14, non. Merde. Ouais, c'est tout pile, mais il réussit. Effrayant du coup. Deuxième coup de bâton. Bon. Hop. Ça touche. Et bim. Quelle régularité. Ouais, mais... Non, ça le blesse. Petit à petit. Yes. Et par contre, je vais utiliser mon dernier point de ki pour me remettre en défense patiente et essayer de tanker au moins un tour de plus. Ok. Wally Wallou. C'est au Duergar de jouer. Vous allez voir Icebreaker et Valet qu'une nouvelle volée de javeline allez tataner le dos du Duergar qui est à côté de vous. Ils sont là. Normal size. Oh mais je crois que tout touche encore. Ah non, il y en a que deux qui touchent. Le 15 ça ne touchera pas. 12 dégâts quand même hein, dans sa gueule au machin. De l'autre côté, au niveau de la mêlée générale, ça se passe. Vous arrivez maintenant à discerner lesquels sont les vôtres et lesquels ne sont pas les vôtres, façon de parler. Ça se passe quand même pas trop mal. Hein. En vrai, y a une espèce de zone morte qui s'est faite autour de la créature un peu champignonnesque là, qui était clairement leur objectif à délivrer. Vous voyez que la créature là qui est en train essaye de se débattre et d'arracher ses chaînes, vous voyez que c'est pas loin d'être fait pour le coup. Globalement, c'est un peu le statu quo, mais avec un très léger avantage pour les forces de Grandolpha. Il reste quand même un Duergar qui va jouer contre toi, Valet, qui va juste se mettre ici. Essayer de vous prendre un peu en sandwich. Mon cher Valet va prendre une attaque de pic de guerre, bon, avec des avantages quand même. Pff, 3 et 4. Nickel. C'est Axardorok qui maintenant lui aussi est large et en pleine possession de ses moyens. Il va essayer de t'attaquer avec son gantelet. Ah non, il a des avantages. Oui. Mais ça touche quand même. Deux fois. Non, une fois. Oui, il t'attaque deux 14. Fois. Ah putain. Oui, mais ça touche. Ça touche. Je mange des jets et raf sur les dégâts. Ça fera 8 dégâts perforants.
Est-ce qu'il a autre chose à faire en bonus, lui? C'est pas la bonne fiche. Attends. Non, il n'a pas d'action. Oh, merde. Quoi? Putain, je suis con. Bah, en fait, au moment où il me touche là... Enfin, ça... attends, je réfléchis. Ouais, non. Non, non, encore un tour. Non, c'est bon. Ok. C'est au dragon de jouer, le tour que tout le monde attend depuis un moment, j'imagine. Il est où mon dragon? Putain, j'ai encore fermé. Rayon de lune! Faut que j'arrive de faire ça. C'est au début du tour, hein, c'est ça? Ouais, quand il débute son tour. J'ai galère trop à. Avec les rames là. Début de son tour, bah tu peux. Il a un jet de sauvegarde de. Quoi à faire déjà? Constitution. Constitution. Et le DD est de 16. Le DD est de 16. Oh merde. Ouh, c'est complètement réussi. Il fait 22. Il va prendre la moitié, c'est ça ? Tout à fait. Et c'est 2 des 10 radiants. Pas mal. 6. Ça fera donc 6 dégâts radiants. Ok, c'est noté, il les prend. Ça n'a pas l'air de lui faire pour le moment plus mal que ça. Néanmoins, il est grapple, donc il ne peut pas s'en aller. C'est là que j'ai un choix. Est-ce que j'attaque, ou est-ce que je tente de m'en aller? Si on suit le RP, il va tenter d'enlever le grapple en étant RP. C'est un jet d'athlétisme, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ou de d'acrobatie. Non, mais il va faire de l'athlétisme. Il va faire acrobatie aussi. Oui, oui. C'est le pouvoir de la lune, mon gars. Putain. T'as la lune dans la gueule. Je joue le dragon vraiment en RP, hein. Putain. C'est son action de faire ça en plus, hein. Putain. Oui. Et ben voilà, il est grapple, il est au sol, il arrive pas à vous lutter, hein, dans un combat au pugilat. Toi t'es en mode grand, essayer de le contenir, de le tenir, de lui tenir les ailes et tout, essayer de se débattre, il y arrive pas. Ça fout un merdier sans nom.